Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, no, no. Don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, no, no. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come marching home. I just got word from a guy who learned from a guy next door to me. Pretty men just love to bet, and it fits you to a T. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Mesdames, messieurs, la libération des communes de Préteau et de Sainte-Suzanne-en-Beautois, qui aujourd'hui n'en forme qu'une, et qui était occupée depuis plusieurs années par les troupes du Troisième Reich, a commencé le 20 juin 1944. En effet, ce jour-là, et après que Vannefontaine ait été libérée, l'armée allemande ordonne à la population d'évacuer. Certains font le choix de ne pas quitter leur maison, et parmi eux, ceux qui hébergent des parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées, largués par erreur sur notre commune dans la nuit du 5 au 6 juin. Arrivé à la tombée de la nuit, le 3e bataillon du 508e régiment de parachutistes de la 82e division airborne donne l'offensive dès l'aube du 20 juin sous le commandement du colonel Louis Mendez. Après que le bourg de Préteau et des villages de l'église et de la Malasserie aient été assez rapidement repris, les hommes du colonel Mendez font face à une armée bien décidée à maintenir ses positions et se trouvent arrêtés dans leur progression. Pendant 2 semaines, le front sera maintenu à Préteau, l'effort devant se porter sur la reprise de Cherbourg et de son port, élément indispensable à la logistique de guerre. Les combats reprennent à l'heure et ils sont acharnés, car afin de progresser, les alliés doivent franchir la zone marécageuse et les collines autour de l'Aïe du Puy, et le point de résistance de Préteau conditionne en partie cette progression. La bataille de Préteau est sanglante et meurtrière, et la grande offensive lancée le 3 juillet par la 90e division permet sa libération totale, ainsi que celle de Sainte-Suzanne, puis celle de Saint-Georges le 5 juillet et de Litter le 7. Ces communes formant aujourd'hui la commune de Moncenel avec Poigny qui avait été libérée précédemment. C'était il y a 77 ans. Ces combats firent malheureusement de nombreuses victimes civiles et d'importantes destructions. La bataille pour la prise du Mont Castres est lancée et elle fera des milliers de victimes. Le 4 juin 2019, nous avons rendu un hommage au colonel Mendez et à ses hommes du 3e bataillon du 508e régiment de la 82e Airborne en érigeant une stèle. Sur cette stèle, il a été mis en place une plaque offerte par les fils du lieutenant Jane Williams en souvenir de leur père tué à Préteau le 20 juin, premier jour de l'offensive et qu'ils n'ont pas connu. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de la famille du lieutenant Williams fut très émouvante et appréciée par les habitants de notre commune venus en nombre. La famille, par la voix des frères jumeaux, m'avait fait part de sa reconnaissance quant à l'action entreprise par la commune en mémoire de leur père et de ses camarades d'armes. D'autres unités ont combattu pour la libération de notre commune, et notamment la 90e à qui nous avons rendu hommage cette année par l'édification de la stèle qui nous fait face. Aujourd'hui, nous accueillons les membres de l'association des Diables Rouges qui nous viennent de Vendée et qui ont pour but de perpétuer la mémoire des hommes du 508e d'infanterie aéroportée. Ils ont découvert notre stèle en 2020 en y laissant quelques fleurs et leurs coordonnées. Vous m'avez contacté en début d'année pour l'organisation d'une cérémonie d'hommage et je salue l'esprit dans lequel nous avons pu collaborer afin qu'elle ait lieu et vous remercie de votre présence parmi nous. Merci à vous. Je vous remercie, monsieur le maire, de nous accueillir chez vous. Je suis un petit peu bloqué parce que vous m'avez coupé l'herbe sous le pied avec votre discours. C'est pas grave. C'est-à-dire que je devais théoriquement dire tout ce que vous avez dit, une bonne partie, mais j'ai préféré que ce soit vous que moi qui le dise. Je voyais que vous êtes très attaché à votre commune. Et donc, je vais laisser la parole à mon lieutenant qui vise à vous faire un discours sur le soldat qui représente.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Il ne fut pas une tâche très évidente pour le jeune homme que je suis de résumer la vie de cet homme en quelques lignes. Mais j'ai voulu profiter de notre présence aujourd'hui pour lui rendre hommage. Le deuxième lieutenant James Herbert Williams, de l'Air Quarter du 3e bataillon du 508e tir. Il était originaire de l'Illinois, il vit le jour le 31 octobre 1922. Dès son adolescence, il rêvait d'aventures militaires. Il rejoignit alors l'école des cadets d'infanterie de Fort Benning, et ceci même si sa corpulence ne correspondait pas vraiment aux standards de militaires de l'époque. Il rejoint l'armée à la suite de l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 sur Pearl Harbor. S'ennuyant dans l'infanterie et voulant plus d'action, il se portera volontaire pour les troupes aéroportées. Il réussit sa formation et se voit affecté au 508e tir. Il écrira alors qu'il vit les moments les plus excitants de sa vie, ainsi que l'une de ses plus grandes fiertés. De 1943 à mars 1944, Jane ainsi que le 508e seront transférés de camp en camp, des États-Unis en passant par l'Irlande du Nord jusqu'à Nottingham en Angleterre. Durant cette période, ils effectuent sans le savoir des entraînements qui leur donneront un avant-goût des combats futurs en Normandie. Jane, toujours plus avide de sensations fortes, se portera volontaire pour devenir un passe-tender, éclaireur. Il suit donc une formation de 3 mois sur les techniques de balisage et de sécurisation des zones de saut et se verra confier le commandement du 3e groupe d'éclaireurs, le Schalke 18. Dans la nuit du 5 au 6 juin, il sera exactement 1h15 quand il s'élancera dans le vide non loin de Picoville. William survécut au saut, il arrivera à garder la presque totalité de son groupe en vie et assurera ainsi la mission de balisage de la DZN. Puis, il mènera ses parachutistes au combat pendant 2 semaines, notamment sur le secteur de la colline France. Le sous-lieutenant sera tué au combat lors de l'attaque du 20 juin 1944 pour s'emparer de ce petit village. Jane avait 21 ans, il était marié que depuis 1 an et demi, et malheureusement, il n'avait jamais su que sa jeune épouse venait d'accoucher le 9 juin de 2 jumeaux, Jane Junior et John, qui sera rebaptisé Jack par la suite. Après la guerre, son corps a été rapatrié aux États-Unis par sa famille, où il repose aujourd'hui dans le carré familial au cimetière de Tower Heights à West Frankfort dans l'Illinois. Le deuxième lieutenant Williams a reçu à titre posthume la médaille de la Purple Heart, la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le ruban de campagne européen avec une pointe de flèche et une étoile. Il reçut aussi une étoile d'or pour avoir été pris en cours de combat et le combat infanterie belge du CIB. Merci. Thank you.
Nothing to eat but a can of beans. Nothing to eat but a can of beans.